Série de vidéos sur fraction et quotient, nous allons commencer par voir le vocabulaire. Il s'agit de l'explication en vidéo du cours qui est en ligne sur matguyon.fr que vous pouvez consulter en flashant le QR code qui vous est présenté. Nous allons commencer par une définition qui va être un petit peu difficile à comprendre car elle est rédigée avec des lettres et on va tout de suite donner une application pour essayer de la traduire. Alors, cette définition nous dit que si on nous donne deux nombres n et d, avec d qui est différent de 0, et souvent en maths, quand on donnera des définitions générales, on prendra des lettres pour précisément pouvoir faire un cas général correspondant à toutes les situations possibles. Donc on va se donner deux entiers, n et d. Vous verrez pourquoi est-ce qu'on les appelle n et d. On peut déjà comprendre que n sera le numérateur et d le dénominateur, mais ça viendra ensuite. Donc considérons ces deux nombres, et le dénominateur est non nul, d est différent de 0. Alors on va appeler le quotient de n par d, le nombre qui multiplié par d donne n. Alors c'est cette phrase-là qui est compliquée, qu'on va essayer de reprendre avec un exemple. Et ce quotient-là, on peut l'écrire en écriture fractionnaire n sur d. Alors on va reprendre cette phrase, on nous dit que le quotient de n par d est le nombre qui est multiplié par d donne n. Cette phrase-là est difficile, et ce que je vous propose, c'est donc de prendre un exemple. Prenons n qui est égal à 5 et d qui est égal à 7. Prenons donc une situation, et on va réécrire cette définition en prenant n qui vaut 5, et d qui vaut 7. On a bien d qui est différent de 0. Donc on va pouvoir dire que le quotient de 5 par 7, c'est le nombre qui, multiplié par 7, donne 5. C'est-à-dire que c'est le nombre qui, multiplié par 7, donne 5. Quel est ce nombre qui, multiplié par 7, donne 5? Comme ça, on ne voit pas très bien comment on peut le trouver. 5 n'est pas un multiple de 7. Eh bien, l'idée, c'est de dire, si je divise par 7 et que je multiplie par 5, ce nombre-là, 5 septièmes, multiplié par 7, est bien égal à 5. Donc, on va appeler 5 septièmes le nombre qui, multiplié par 7, donne 5. Voilà ce que veut dire cette définition. Le nombre 5 septièmes, sa vraie définition, c'est ça, c'est le nombre qui, multiplié par 7, donne 5. Si vous avez compris ce que j'ai dit précédemment, n, le nombre en haut de la fraction, sera le numérateur et d, le nombre du bas, le dénominateur. Et donc, n sur d est aussi le résultat de la division de n sur d, c'est-à-dire que maintenant on n'écrira plus cette division-là comme ça, n divisé par d, comme on pouvait le faire en école primaire. Ce symbole-là n'est pas pratique car il donne des écritures en ligne et on s'y perd un petit peu dans les priorités. On écrira maintenant systématiquement n sur d sous forme de fraction. Et enfin, la dernière définition nous dit qu'une fraction est une écriture fractionnaire dont le numérateur et le dénominateur sont entiers. Donc, dans l'exemple précédemment, nous avions 5 septièmes. Il s'agit bien d'un nombre en écriture fractionnaire, mais comme on a un entier au numérateur, un entier au dénominateur, ce nombre-là est bien une fraction. Par contre, le nombre 5,2 sur 7,1, écrit comme ceci, n'est pas une fraction, car il y a des décimaux au numérateur et ou au dénominateur. Donc si on se donne une fraction, par exemple 6 cinquièmes, eh bien 6 sera le numérateur et 7 le dénominateur. Et on pourrait dire aussi que le résultat de la division de 8 par 9, c'est-à-dire le quotient de 8 par 9, est le nombre 8 neuvièmes. On associe donc le symbole divisé à la fraction. En résumé, les deux idées fortes de cette vidéo sont que le nombre 4 tiers, eh bien, c'est le nombre qui, multiplié par 3, donne 4. Et c'est aussi le résultat de l'opération 4 divisé par 3. Voilà les deux idées fondamentales que vous devez avoir comprises dans cette vidéo. Les vidéos qui suivent poursuivent ce chapitre. Vous trouverez sur matguyon.fr des exercices complémentaires et un QCM pour tester votre compréhension de cette notion.